Salut les cancers. Ok, on va voir ce qu'on a pour vous pour la semaine du 16 au 22. Et pour cette semaine, on va utiliser le Before Tarot pour l'énergie du passé, l'oracle des rêves enchantés pour savoir de quoi on va parler, qu'on va clarifier avec le tarot, l'oracle des 12 guidances astrologiques ainsi que l'oracle de l'ombre et de la lumière pour un conseil ou plusieurs. Ok, donc n'oubliez pas que c'est une lecture générale et non personnelle, donc ne la prenez pas personnellement. Si vous souhaitez une lecture personnelle, vous avez un lien dans la description qui vous guidera vers la page qui décrit comment fonctionnent mes rendez-vous. Et ensuite, vous pourrez choisir entre plusieurs types de rendez-vous. Guidance avec 4 questions, une guidance avec 7 questions, une guidance concernant l'amour et le couple, une guidance concernant la carrière et les finances et une guidance avec les 6 mois de prédiction. Et je précise que je ne commence pas à mois déjà entamé, d'accord? Donc si vous voulez voir ce qui se passe pour ce mois-ci, je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que ça sera de l'arnaque, le mois est déjà commencé et vous n'aurez pas toutes les énergies. Je commencerai par exemple là pour le mois de novembre et ensuite pour les 6 mois à venir. Bien sûr, vu que cette lecture est générale, les rôles peuvent être inversés, d'accord? Dans le tarot, les rois et les reines sont des énergies et non des genres. Donc vous pouvez très bien être une femme et être dans l'énergie d'un roi, donc d'action, ou un homme, dans l'énergie d'une reine, donc de réception. Ne vous accrochez pas au signe que je dirais, car certaines cartes, comme là la justice qui parle du signe de la balance, parlent d'énergie, d'accord? Mais c'est pas forcément, je n'ai pas forcément parlé de quelqu'un qui dit signe de la balance, je parlerai simplement de l'énergie du signe de la balance, parce que certaines cartes sont associées à certains signes et c'est comme ça. Bien sûr, à part si toutes les cartes d'un même signe sont sur le tapis, je dirais que c'est soit forcément cette personne qui a ce signe-là en solaire, ou quelqu'un qui a fortement ce signe-là dans son thème au moins 3 ou 4 fois, donc ça fait que ça pèse beaucoup. Mais si l'histoire vous parle, vous saurez de qui je parle, d'accord? Il faut simplement être franc et vrai avec vous-même et afin de discerner ce qui se passe si l'histoire vous parle. Bien sûr, parce que des fois nous sommes les acteurs du karma qui vient vers nous, il faut simplement l'accepter et faire en sorte de ne pas répéter les mêmes erreurs, de ne pas recommencer les mêmes bêtises. Et si vous êtes la victime de ce que je vois, pareil, vous acceptez ce qui s'est passé, vous tirez des leçons de ce qui s'est passé, vous guérissez pour pouvoir avancer et ne pas retourner dans le même panneau. Et bien sûr, si l'histoire ne vous parle pas, vous êtes libre de fermer la fenêtre, de changer de chaîne pour voir si quelqu'un a réussi à voir ce qui se passe chez vous, ou de revenir la semaine prochaine si ça vous intéresse. Vous avez aussi de nouveaux types de consultations sur le site, la consultation en numérologie qui me permet de vous donner vos numéros de vie afin de vous accompagner et avoir la clé pour pouvoir développer votre potentiel, savoir quelle ville vous convient le mieux, quel métier, quelle passion, quel passe-temps, qu'est-ce qui est fait pour que vous puissiez y aller et avoir le moins d'obstacles possible. Et la consultation du thème natal qui me permettra de vous non seulement vous donner votre thème, mais de vous expliquer comment les planètes fonctionnent sur vous, d'accord? Pour pouvoir vous guider, vous aider à évoluer, à comprendre pourquoi certaines choses vous arrivent et ce que vous pouvez faire pour mieux les anticiper ou mieux les gérer, ok? Donc déjà, on va voir ce qu'on a concernant l'énergie du passé pour les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Concernant l'énergie du passé, ok. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers concernant l'énergie du passé? Ok, l'ermite. Moi, bon, il y en a deux. L'ermite, le 8 de denier. Vous avez peut-être à faire un signe de la Vierge. Peut-être que vous avez dû faire une certaine introspection. Mais l'ermite et le 8 de denier, ça va ensemble. En général, les signes de la Vierge, c'est vraiment les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Ce sont des travailleurs. Donc, à part si vous avez ce signe-là fortement dans votre thème, c'est vous qui avez peut-être travaillé dur ou vous êtes concentré pour vous perfectionner. Ça peut parler aussi de la loi. Quelque chose au niveau légal qui est en cours, mais on va voir. D'accord, celle-ci. Et vous, vous êtes là. C'est significatif. Ok. La reine de coupe, c'est vous en général. C'est cancer, ça peut être poisson, scorpion, mais c'est en général, c'est le signe du cancer. La reine de denier, c'est taureau, vierge, capricorne. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi Soit vous avez travaillé dur pour pouvoir travailler sur vos émotions, soit vous avez affaire à... C'est quoi l'énergie entre la reine de denier et la reine de coupe? Le 3 de coupe à l'envers. C'est pas la fête entre vous et quelqu'un qui est dans le signe de terre, dans le passé en tout cas. Deux personnes qui ne fêtent rien ensemble, qui ne s'entendent pas. L'ermite, c'est quoi dans le passé? L'as de bâton. Vous avez quelqu'un qui a fait de la magie. Quelqu'un, le 8 de denier? Quelqu'un qui a créé.
Le 8 de denier, quelqu'un qui a travaillé, soit pour mettre fin à une situation qui était difficile, une trahison ou quelque chose qui était complexe, soit pour vous mettre des épées dans le dos. Et c'est peut-être une reine de denier, quelqu'un qui est d'un signe du taureau vierge capricorne. Ok, bon. Désolée pour mon nez, j'ai un peu le nez pris cette semaine. En même temps, vu qu'il n'arrête pas de faire chaud, froid, enfin il fait super chaud l'après-midi, il fait froid le matin. Même si je me coupe, c'est un peu complexe. De quoi ça va parler cette semaine? Il y a quelque chose qui vous embête. Et vous aimeriez que ça se termine assez rapidement. Soit ça vous stresse ou ça vous met sous tension, quelque chose qui vous embête, qui fait que vous aimeriez que ça s'arrête ou il y a quelque chose qui ne va pas dans votre. Qui va pas comme vous le souhaitez ou ça vous stresse, en tout cas ça vous met dans tous vos états. Peut-être pas au niveau des émotions, après peut-être que comme je suis pas super réceptive aux émotions, enfin, c'est pas que je suis pas émotive, mais pas au point, au niveau d'un cancer. Si c'est pas quelque chose qui vous touche intensément au niveau des émotions, c'est quelque chose qui vous stresse, qui vous tape sur le système ou les nerfs. Là, je ressens pas tellement d'émotions, je ressens plus du stress, quelque chose comme une boule d'énergie qui est too much. Mais bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on a concernant cette semaine pour les cancers? Le 11 à l'envers. Mais bon, ces cartes-là ne se prennent pas à l'envers. Alors, c'est quoi le 11? Le boulot, la verge. Méfiez-vous des tempéraments forts? Ok. Je suis porteur de querelles et de conflits. Les débats et la discorde sont mon domaine, mais je ne suis pas toujours malfaisant. Mon utilisation inclut la répétition d'un geste rapide, récréatif. Je peux apparaître dans une palestre, libertin dans un lit. Le boulot, la verge, constitue l'une des cartes complexes du système Lenormand qui, contrairement au tarot, contient des cartes favorables et des cartes défavorables. Lorsque le boulot apparaît, la frénésie est attisée pour créer la discorde et une personne sera prompte à la colère. Ouais, c'est bien ça. Faites attention, d'accord ? Il annonce un problème, une disharmonie, un conflit, une dispute et tout ce qui peut induire le stress. C'est ce que je viens de dire, c'est ce que j'ai ressenti au début. Particulièrement lorsqu'il apparaît avec les oiseaux, mais bon, on n'en a qu'une seule. La verge claquera par ou contre vous. La carte des rêves enchantés représente la boucle de la verge et le faisceau des branches souples, étroitement liées, qui servaient à châtier. La correction par la verge était appliquée en France pendant la Révolution française et à l'époque de Mademoiselle Lenormand. Dans son sens le plus positif, cette carte vous enjoint de rassembler vos forces, de concentrer votre attention et de mettre de l'ordre dans votre vie. Ok, ça va être une semaine qui va être complexe, quelque chose, j'ai bien senti le stress. Quelque chose qui vous énerve, qui vous stresse, qui vous saoule. Faire attention, d'accord. Ok, clarifie tout ça le tarot, please. Pour la semaine du 16 au 22, tu peux clarifier, please. Qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 16 au 22 pour les cancers? Une justice. Je vais pas les prendre parce que je vais finir mieux, mais c'est quelque chose qui est mis en équilibre, une justice, ou peut-être vous qui perdez en justice, ou quelqu'un qui perd au niveau de la justice. Quelque chose qui a été mis à la lumière, ou il y a un changement, quelque chose qui vous stresse, et je sais pas ce que c'est, mais on va voir. Qu'est-ce qu'on a pour la semaine du... Vu comment elles sont... Le pire, c'est qu'elles sont sorties tellement doucement, que même moi, j'ai douté, en fait, quand je les ai vues. Il y a quelqu'un qui va avoir une certaine justice, une certaine victoire. Quand la justice et l'as d'épée sont sortis, elles sont sorties tellement doucement que ça m'a surpris, mais c'est quelque chose que vous ne voyez pas venir. Ok, une dernière. Jugement à l'envers. Je vais le mettre à l'endroit, on verra bien. Let's go. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers pour la semaine du 16 au 22? N'oubliez pas que c'est vous inversement, d'accord? Vous savez où vous êtes, vous savez ce que vous avez fait, donc vous saurez. Le 2 de bâton, l'as de bâton, pourquoi je dis le 2 de bâton? C'est quelqu'un qui a pris une décision. Il y a une personne qui a pris une décision finale. Soit de créer quelque chose, soit d'utiliser la magie.
Qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 16 au 22? Le 2 de coupe, ça parle de collaborer, de deux personnes qui échangent. Ça peut être au niveau des émotions, ça peut être sexuellement, ça peut être émotionnellement. Ça parle de collaboration. Ça peut être la collaboration avec l'univers aussi. Vu le signe qu'on a là et la justice. Ok, bon, l'as de bâton, c'est quoi? L'as de bâton et le boulot là, je pense que ça va ensemble. Ouais, j'ai dit le 2 de bâton tout à l'heure. Il y a quelque chose, il y a une décision qui a été prise. Il y a quelqu'un qui ne sait pas quoi faire concernant soit un acte spirituel, soit un nouveau départ. Ou... Parle-moi de l'as de bâton pour la semaine du 16 au 22 pour les cancers. L'empereur à l'envers, bélier. Quelqu'un qui utilise son statut à mauvais escient. Quelqu'un qui n'utilise pas sa sagesse et son expérience. Et l'as de, et l'empereur est juste en dessous du... Ça parle d'une bonne nouvelle ou d'être quelque chose qu'on doit protéger. Pourquoi l'empereur il est à l'envers? C'est quoi le rôle de l'empereur là? Bélier à l'envers ou... Ça peut être une personne plus âgée que vous. Quelqu'un qui perd le contrôle, qui ne planifie rien, qui... Il y a une carte qui est tombée, ouais. Hop. Il y a une personne qui se croit maligne. Il y a quelqu'un qui a pris une décision. C'est quoi la décision? C'est quoi le 2 de bâton? Pourquoi la personne... Non. Ou sinon, c'est une personne qui ne sait pas quoi faire concernant un nouveau départ ou un acte de magie. Le chariot, c'est vous. Il y a quelque chose que vous ne savez pas quoi faire. Il y a une chose qui vous perturbe, vous ne savez pas quoi faire. C'est sûrement pas un... C'est quoi le 7 d'épée? Ça, c'est sacrifice. C'est quoi le 7 d'épée? Quelque chose de difficile. Qu'est-ce qui se passe, les cancers? Pourquoi vous savez pas quoi faire? Parce que là, du coup, je vois l'indécision, le stress et l'incompréhension, mais je comprends pas pourquoi vous êtes dans cet état-là. C'est quoi le 2 de bâton? Pourquoi vous avez du mal à vous décider? Soit vous avez du mal à décider concernant quelque chose, une chose... Ça parle de guerre aussi. Soit vous avez du mal à vous décider concernant un déménagement, vous avez du mal à vous décider pour aller vers quelque chose, vous avez du mal à vous décider afin de peut-être répliquer ou... le 7 de bâton. Ça parle de magie. Il y a quelque chose au niveau de la spiritualité. Soit vous avez une situation qui fait que vous devez battre en retraite et vous ne savez pas quoi faire, soit il y a quelqu'un qui a fait un acte de magie et il y a eu un retour à l'envoyeur et vous ne savez pas quoi faire. Il y a une personne qui a... qui a mal planifié son truc. C'est quoi le pendu? Alors, chariot, c'est votre carte. Le pendu, c'est poisson. L'empereur, c'est bélier. C'est verseau. Perdre quelque chose. Voir les choses différemment. Pourquoi ça vous stresse autant? C'est quoi le valet de coupe? Non. De quoi vous vous protégez? C'est quoi le 7 de bâton? De la fin d'un cycle et d'un échec par rapport à quelqu'un qui est ici. Oh mon Dieu, il y en a certains d'entre vous qui reçoivent leur juste dû. Vous savez pas quoi faire parce que c'est bien ce que je me disais. L'as de bâton, c'est pas forcément un nouveau départ, ça parle de magie. De quelqu'un qui a peut-être utilisé son bâton pour faire un acte de magie. Et avec le 7 de bâton, peut-être que ça vous touche et vous battez en retraite, vous avez besoin de vous protéger de la fin d'un cycle et d'un échec par rapport à quelqu'un qui a une certaine stabilité. Et apparemment, c'est votre juste dû. Ça peut être vous, inversement, mais il y a quelqu'un qui a... Il y a une personne qui a dû faire un acte de magie et ça vous atteint d'une certaine façon. Et vous avez peur que ça soit la fin d'un cycle ou la destruction. Bon, on n'a pas la tour, mais... Mais apparemment, ce qui se passe là, c'est... Soit vous avez affaire à un patron ou un propriétaire qui est malhonnête. Ou sinon, une personne qui est plus âgée, qui est juste, qui n'utilise pas sa sagesse. Sinon, c'est vous qui êtes âgé. Vous perdez quelque chose et ça vous stresse. Il y a quelque chose que vous perdez. C'est quoi que vous perdez?
C'est quoi avec la... C'est quoi le pendu et l'étoile pour les cancers? Vous perdez une certaine stabilité, une certaine harmonie. Ou une relation de couple. Vous perdez quelque chose qui tient beaucoup pour, qui compte beaucoup pour vous. Soit par rapport à un proprio ou à un patron. Ça peut parler de la perte d'un emploi aussi. Ouh, et ça vous stresse. C'est difficile. Mais avec le 7 d'épée, vous essayez de vous en sortir. Le valet de coupe, c'est quoi alors? C'est quoi le valet de coupe? Est-ce que c'est le 3 de bâton? Qu'est-ce que je fais maintenant? Vous allez recevoir un message, vous avez reçu un message par rapport à quelque chose qui va vous... Le valet de coupe. C'est une personne... C'est qui Parce qu'on ne peut pas avoir ça et avoir autant de cartes négatives. Donc ça, c'est quelqu'un d'autre. Ou inversement, n'oubliez pas que c'est... Il y a une personne qui fête et qui va pouvoir prendre un nouveau départ. Ça peut être un Sagittaire ou quelqu'un de plus jeune que vous. Ça peut être quelqu'un qui est d'une figure publique. Ou sinon, c'est inversement. C'est quoi le 3 de bâton pour le valet de coupe? Quelqu'un qui s'aime, quelqu'un qui patiente. Quelqu'un qui va avoir un nouveau départ. Il y a une personne qui va pouvoir avoir un nouveau départ, mais qui patiente énormément et qui observe beaucoup. Il y a une personne qui, soit qui va être virée ou qui va perdre son travail ou qui va avoir des problèmes par rapport à quelqu'un qui a un certain statut. Il y a quelque chose, il y a eu un retour à l'envoyeur et vous ne savez pas quoi faire à mon avis. Parce que l'as de bâton, c'est, ça peut parler de magie. Hein. Ça peut parler d'un départ passionné, mais ça peut parler de magie aussi. Le 2 de coupe, c'est quoi? Et on a eu le boulot là, ouais. Ça peut être une relation qui se termine, quelque chose qui vous stresse. Qui vous prend la tête, des insomnies. C'est quoi le 2 de coupe pour les cancers? Qu'est-ce qui se passe? Le chevalier de coupe, oh mon dieu. Qu'est-ce que... Mais c'est passé quoi là les cancers? Scorpion, la fin d'une situation. Il y en a qui vont devoir reprendre. Soit il y a une relation qui se termine, soit il y a des personnes qui ont fait un accord et l'accord il est rompu. C'est quoi? Pourquoi on a le chevalier de coupe là? Il y a un accord qui a été fait. Soit c'est une relation qui se termine, soit il y a un accord qui a été fait qui se termine, qui est fini. Et ça vous touche. C'est quoi le chevalier de coupe pour les cancers là? Chevalier d'épée, jugement et le 2 d'épée. Quelqu'un qui vient, qui fonce et qui détruit tout. Jugement, et ça vous met dans la confusion. Jugement, c'est Sagittaire. Jugement, c'est aussi penser à tout ce qu'on a fait et savoir pour, et se rendre compte à quel point ça a affecté notre destin. Il y a quelque chose que vous avez fait et vous êtes jugé pour ça. Il y en a certains qui sont partis à la guerre mais qui ne se sont pas protégés et vous êtes jugé pour ça. Et maintenant, vous êtes dans des sortes de limbes ou la confusion, où vous souhaitez avoir la paix. Vous souhaitez... Il y en a certains qui ont sûrement reçu un retour à l'envoyeur ou qui se sont mesurés à quelqu'un qui fait de la magie et qui ne s'attendait pas à ce que cette personne rétorque. C'est une personne que vous avez attaquée énormément et qui a peut-être pris la décision de se dire ça suffit. Et avec le 2 d'épée, maintenant vous voulez la paix parce que c'est too much, peut-être. Pourquoi vous prenez la tête là? C'est quoi le 9 d'épée? Parce que vous avez perdu quelque chose. Qu'est-ce que vous avez fait les... Le 9 d'épée. Il y a un accord qui a été rompu et ça vous stresse. Oh mon dieu. Le 10 de bâton. C'est quoi qui est terminé? C'est quoi la mort? Au moins la mort, c'est la mort et la renaissance. C'est une situation qui ne va pas se reproduire. On a la reine de deniers. Tout à l'heure, je l'ai vue avant de prendre cette carte-là. Elle était au fond, mais j'ai pas... Je l'ai vue vite fait, mais je ne l'ai pas prise. Parce que bon, c'était l'énergie du bas, mais j'ai déjà remué. Il y en a certains qui ont fait quelque chose à quelqu'un qui est une reine de deniers. Taureau, vierge, capricorne. Et qui vont arrêter de faire de la magie, de la sorcellerie, parce qu'elle a dû rétorquer.
Vous avez eu affaire à quelqu'un qui a sûrement dû... Mais je crois que la semaine dernière, vous avez eu ça aussi. Hein. La fin des bonnes nouvelles. La fin d'une stabilité. La mort. C'est quoi le 5 de denier pour les cancers? Le 5 de denier, c'est manquer de finances, une décroissance au niveau des biens matériels ou se sentir rejeté ou abandonné par rapport à quelque chose. Il y a un acte de magie qui a été fait et vous en subissez les conséquences. Mais tout à l'heure, on a eu le 6 de denier qui parle de recevoir son juste dû. Il y a une personne qui, peut-être que vous ne vous y attendiez pas, mais il y a une personne qui a dû rétorquer au niveau de la magie ou autre et ça vous affecte dans tout, dans votre stabilité. Et avec ça, là, peut-être qu'avec le chevalier de coupe, vous voulez ne plus faire un accord. Il y a un accord qui a été passé, peut-être pour déstabiliser quelqu'un ou pour faire de la magie. Et peut-être que le retour ou le fait que cette personne ait répondu, c'est beaucoup trop intense. Maintenant, vous voulez reprendre votre coupe et ne plus faire quoi que ce soit. Mais si on a certains qui ont fait de la magie sur vous ou vous avez fait de la magie sur des gens, il y a une personne qui a rétorqué. Et si c'est une reine de denier, taureau, vierge, capricorne, ça peut être intense parce qu'en général, taureau, vierge, capricorne, ils sont doués dans ça. Parce qu'ils étudient beaucoup. C'est peut-être des gens qui vous avez persécuté ou qui vous ont persécuté pendant un certain temps et qui n'ont rien fait. Et ça marchait peut-être à un certain niveau. Et maintenant, cette personne, elle a répondu une bonne fois pour toutes, pour la première fois, et ça a tout détruit. Et vous avez besoin de vous battre en retrait, vous avez besoin d'être protégé. Il y a un accord que vous voulez plus... L'accord, c'était quoi l'accord, là? Attends. Non, l'accord, c'était pour mettre la fin à une situation pour quelqu'un. Et ça se retourne contre vous. Ce que vous souhaitiez pour quelqu'un, ou inversement, je dis vous parce que c'est votre guidance, mais ce que vous souhaitiez pour quelqu'un, ça se retourne contre vous. Et maintenant, vous ne voulez plus faire ça. Mais le truc, c'est que des fois, quand on fait des rituels, on est obligé... Il y a certains rituels qui ne peuvent pas être défaits. Vous êtes obligé de laisser le rituel suivre son cours et jusqu'à ce que ça se termine. Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir avant de faire quelque chose. Vous souhaitez reprendre votre coupe et ne plus investir dans cette situation dès cet accord, mais la justice pour les cancers, la justice, c'est un équilibre qui est rétabli. Ça peut être une affaire en justice, mais ça peut être aussi la justice céleste. Oh mon Dieu, la justice pour la reine de denier. Qu'est-ce que vous avez fait? Soit on va vous faire une proposition qui va vous permettre d'avoir une certaine stabilité, ça sera juste. Soit c'est une reine de denier qui va recevoir une certaine justice et qui va recevoir une proposition et ça sera juste. C'est quoi la reine de denier pour les cancers? Quelqu'un qui vous a trahi ou qui vous a fait un retour à l'envoyeur, qui prend un nouveau départ. Et qui va pouvoir aller vers la paix, la sérénité, voir les choses autrement. C'est une personne qui a sûrement fait quelque chose, un retour à l'envoyeur. Le 7 d'épée, ça peut parler d'échapper à une situation, mais ça peut parler aussi de quelqu'un. C'est une personne qui a fait en sorte, si elle a fait un retour à l'envoyeur, grâce à cette carte-là, qui a fait en sorte que vous sachiez que ça vient d'elle. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, quelqu'un qui est une figure publique, mais vous ne l'avez pas vu venir. Vous ne l'avez pas vu venir cette situation, et maintenant vous ne savez pas quoi faire. Stress, dépression. La reine de denier, c'est la personne qui vous a... Vu comment c'est venu, là, vous ne vous attendiez pas à ce que ça arrive. Ça a été soit la dernière épée, soit c'est une personne qui... Toutes les épées que vous lui avez envoyées, vous les envoyez toutes d'un seul coup et vous ne vous y attendiez pas. Il y a une situation à laquelle vous ne vous attendiez pas. Le valet de coupe et la justice pour les cancers. La reine des épées... Émotion, pas d'émotion, logique. Ça peut être une affaire en justice qui est prise ou qui est décidée. Et la juge peut être une femme qui décide. Mais j'ai l'impression que la reine des épées, c'est elle. La reine des épées, j'ai l'impression que c'est la reine de denier. Quelqu'un qui s'est dit, c'est quoi, j'en ai marre, ça me saoule. On va travailler sur toi, là, tu commences à m'énerver. Qui a pris une décision pour que les choses s'arrêtent. Dis-moi en plus sur la justice et la roue de la fortune. C'est quelqu'un qui est votre ennemi. Il y a une personne qui a pris la décision d'arrêter une bonne fois pour toutes les conneries. C'est soit vous, soit inversement. Mais il y a une personne qui s'est dit, c'est quoi, j'en ai marre, ça suffit. On va travailler sur toi pour t'arrêter de me faire chier. Ouais. J'allais dire, c'est quoi le chevalier de coupe? C'est le diable. Intensité. Une personne qui a décidé d'être dans son énergie négative parce qu'elle en a marre de vous, vous en avez marre d'elle, qui a manifesté quelque chose. Pour que vous puissiez vous foutre la paix. Ou inversement.
si vous avez, vous savez, vous avez fait quelque chose de mauvais, là, c'est une personne qui, si vous, à un certain moment, vous faisiez de la magie ou de la sorcellerie sur quelqu'un, c'est à mon avis quelqu'un qui a dû subir beaucoup et qui s'est dit, tu sais quoi, ça commence à me saouler, ça, je vais te faire voir une bonne fois pour tout ce que ça fait. Tempérament fort, querelle et conflit. Il y en a certains qui vont devoir rassembler leurs forces pour pouvoir avancer et d'autres qui vont simplement avoir des conflits comme pas possible. Eh ben dis donc. Bon, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'astrologie pour vous, pour la semaine du 16 au 22? Vénus en cancer, beaucoup d'émotions. Soit ça vous touche énormément au niveau des finances, soit c'est quelque chose au niveau des émotions, c'est vous êtes dans tous vos états. Ou c'est une relation amoureuse. Ou... Parle-moi de Vénus en cancer, parce que Vénus c'est l'argent, c'est... J'ai pas fini de renouer. Vénus c'est l'argent, c'est aussi l'amour, une relation. Ça parle aussi de créativité. C'est l'amour et l'argent, le commerce. Et le cancer, c'est votre carte, les émotions. Il y a quelque chose qui vous déstabilise. Vénus en cancer, c'est quoi pour les cancers? La perte, un échec. Et vous recevez votre juste dû. Si vous avez une situation qui se dégrade, vous perdez quelque chose, ou que ce soit au niveau des finances, au niveau d'une relation... Non seulement c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps avec le 9 de bâton et qui vous fatigue, mais vous recevez votre juste dû. La fin d'une situation, ça peut être aussi simplement des conflits qui démarrent. Ou le 5 d'épée, c'est soit des conflits virulents, soit c'est là, vous avez perdu une bataille. Ouais, j'ai demandé c'est quoi le 5 d'épée, c'est que vous avez perdu quelque chose. Vous avez perdu une bataille. Le 6 de denier. Soit c'est le 6 de denier, c'est quelque chose, c'est les finances. Pas, plus de collaboration, plus de... Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi? Il y a une situation conflictuelle que vous avez perdue et ça vous touche au niveau des finances. Ça touche soit les finances, soit une certaine stabilité, une certaine collaboration. Soit c'est en amour ou au niveau du commerce, de l'argent. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'ombre et de la lumière pour les cancers? Oh. Enfin. Après, ça peut être vous inversement. Hein. Si vous savez que vous n'avez rien fait, dans ce cas-là, c'est la personne qui vous embête comme pas possible. Vous savez ce que vous avez fait et cette personne, elle reçoit quelque chose en retour. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'ombre et de la lumière pour les cancers pour la semaine du 16 au 22? Une dernière. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 16 au 22 pour les cancers? La voyante ailée. Vos yeux sont ouverts, clairvoyance. Et en dessous, il y a une carte qui est restée comme ça. Je vais la prendre parce que c'est significatif si j'ai vu juste ça, là, la définition. Il n'y a pas de hasard. Oups. Ouais, parce qu'elle était comme ça, la carte. Il y a une raison pour laquelle j'ai juste vu ça. On a la fée absinthe et la voyante ailée. Deux. 14. Et 14, ça fait 5. C'est quelque chose qui vous prend la tête tous les jours ou qui va vous prendre la tête tous les jours. Ok, la voyante ailée. Alors, le message divinatoire. Vos dons de voyance sont renforcés par la voyante ailée. Vous êtes capable de voir à distance et derrière les portes, de recevoir des images vous informant de ce que font les autres quand vous n'êtes pas là. Ces expériences vous renforceront ou vous effraieront. Vous vouliez en savoir davantage, découvrir ce que vous ignoriez. À présent que vous savez, vous devez vous montrer courageux et agir en fonction de ce que vous ne pouvez pas expliquer logiquement. Il est vital maintenant, de plus que jamais, d'être honnête avec ce que vous devinez et par-dessus tout avec vous-même. Et deux, la fée absinthe.
Cessez immédiatement. Une alarme vient de se mettre en marche en vous mettant en garde contre la dépendance, l'intoxication et le délire. Et le message, c'est intoxication, distorsion, excès d'indulgence. Ok. Votre moi supérieur sait que si vous acceptez encore cette merveilleuse potion que l'on vous offre, que ce soit sous forme de relations, nourriture, alcool, sexe ou paroles nocives, cette complaisance vous éloignera définitivement du bien-être et de la clarté d'esprit. Rappelez-vous que quand vous êtes tenté, vous n'avez pas besoin de fuir, de maudire cette adorable petite fée et moins encore de céder. Vous devez seulement rester sombre et clair. Vous savez que vous êtes pourchassé par une terrible dépendance et que vous hésitez, pris par son délire. Ce n'est pas le moment de faire du déni. Vous avez une chance de vous libérer. Il y a une situation, ouais, il y en a certains qui ont sûrement fait quelque chose de spirituel et maintenant vous avez peur de ce que vous avez vu. Ou... Il y en a certains qui dépendent d'une personne et qui doivent arrêter. Mais il y a quelque chose que vous savez que vous devez arrêter et vous... Il y a une chose que vous devez stopper net, clair et net. Vu que vous êtes un signe d'eau, il y a quelque chose peut-être qui s'est développé chez vous au niveau de l'intuition, ou si vous faites de la magie, il y a que vous êtes peut-être allé trop loin. Et maintenant, vous avez peur de ce que vous voyez, peut-être parce que vous voyez peut-être ce que vous avez fait et vous voyez que les personnes sur lesquelles vous avez fait certaines choses, vous les voyez réellement pour ce qu'elles sont, vous voyez leur pouvoir ou leur puissance et ça vous effraie. Mais peu importe ce qu'on vous dit, si vous faites quelque chose ou de la magie noire ou de la sorcellerie sur quelqu'un, on vous demande d'arrêter, ok? C'est marqué, donc faites attention. C'est un avertissement. Après, il y en a qui vont continuer malgré tout, parce qu'on sait comment vous êtes un peu les cancers aussi. Quand vous êtes déterminé à faire chier le monde, vous êtes parti pour, et même si, peu importe les conséquences, mais faites attention, d'accord? Parce que c'est, à mon avis, c'est un signal pour vous dire... Fais attention à ce que tu récoltes. À mon avis, si vous avez quelque chose qui se passe mal à l'heure actuelle là, c'est une façon de vous montrer qu'il faut peut-être arrêter. Vous êtes peut-être allé trop loin concernant une personne ou vous avez peut-être fait un acte spirituel sur quelqu'un et cette personne est plus forte que vous. Donc faites attention, d'accord ? À bon entendeur, salut. C'est ce que j'ai pour la semaine du 16 au 22, les cancers. Je vous souhaite tout de même une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye. N'oubliez pas que vous pouvez vous procurer tout ce dont vous avez besoin au niveau ésotérique sur le site internet comme la pilule de déblocage et la lotion de désensorcellement qui sont des lotions magiques d'influence qui peuvent remplacer merveilleusement l'encens. La pilule de déblocage est pour tout ce qui est blocage au niveau de la créativité, qui est au niveau de la procrastination et aussi la malchance. La lotion de désensorcellement, c'est pour tout ce qui est magie noire, sorcellerie, énergie négative qu'on vous envoie spirituellement. Donc ce sont des lotions magiques d'influence à parsemer avec parcimonie. Vous en mettez une pulvérisation dans chacune des pièces de votre appartement, pas plus. Vous pouvez en mettre aussi dans votre voiture, sur votre lieu de travail si vous pouvez. Pensez simplement à aérer aussi. Les personnes qui ont déjà acheté des bouteilles, n'oubliez pas que quand elles sont terminées, les petites pierres qui sont à l'intérieur, vous pouvez les garder. Elles vont continuer à vous protéger. Pensez simplement à les purifier sous de l'eau ou dans de l'encens pour qu'elles soient dégorgées des énergies négatives qu'elles ont absorbées. Donc j'insiste sur le fait que ça ne sert à rien d'en mettre beaucoup. Vous allez simplement gaspiller vos lotions. Si vous en mettez trop, une pulvérisation, vu que ce sont des lotions magiques, ça suffit. Ça ne sert à rien d'en mettre des tonnes, d'accord ? Même si ça sent bon. J'en ai conscience. Ça, ce sont les lotions magiques d'influence. Vous pouvez en mettre aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, dans les chaussures et sur vos vêtements, mais par contre pas sur la peau, parce que ce ne sont pas des parfums. Vous avez aussi, comme d'habitude, la bougie de retour à l'envoyeur, ainsi que l'huile d'onction de retour à l'envoyeur, qui vous permet d'effectuer le rituel de retour à l'envoyeur, qu'il ne faut pas avoir peur de faire. Le rituel de retour à l'envoyeur, c'est simplement faire en sorte de vous protéger en renvoyant vers la personne qui vous a envoyé de la sorcellerie ou de la magie noire, tous les rituels, les sorcelleries, les maléfices qu'on vous a envoyés. Si vous avez des personnes qui vous font douter ou qui font titiller votre intuition, ce n'est pas pour rien, mettez ces personnes-là aussi dans le rituel. Si elles n'ont rien fait, il ne leur arrivera rien. Par contre, si elles ont fait quelque chose, elles recevront simplement ce qu'elles vous ont souhaité. Il y a la notice qui vient avec la bougie de retour à l'envoyeur. Vous avez aussi l'huile d'onction qui est vendue séparément, qui va vous durer entre 6 à 10 mois. Pourquoi ? Parce qu'un rituel de retour à l'envoyeur, on en fait en général une fois par mois, pas plus. Et vous avez aussi un compte-gouttes qui vous aide à doser. Vous mettez une à trois gouttes, pas plus, et c'est suffisant. Si vous ne pouvez pas acheter les deux, commencez par la bougie de retour à l'envoyeur. Vous achèterez l'huile d'onction qui vous durera entre 6 à 10 mois après. Mais commencez toujours par la bougie de retour à l'envoyeur pour déjà effectuer le rituel. L'huile d'onction, elle permet de faire en sorte que le rituel soit beaucoup plus fort et beaucoup plus intense et beaucoup plus rapide. Vous avez aussi depuis peu les bocaux magiques qui ont fait leur apparition. Vous avez le bocal magique de protection avec la bougie noire et l'étiquette noire. Et vous avez le bocal magique amour avec l'étiquette rouge et la bougie rouge. Donc,
C'est un rituel qui est assez simple à faire, qui est écrit sur le site internet. Vous n'avez pas besoin d'acheter le bocal pour savoir comment il faut faire. Le rituel est écrit. Donc regardez si ça vous intéresse et si ça c'est quelque chose que vous souhaitez, une chose dans laquelle vous souhaitez investir. Le rituel est assez simple, c'est assez intime aussi. Donc à vous de voir lequel vous convient. Le bocal, chaque bocal a un type de plante spécifique. Le bocal de protection, c'est les plantes que j'ai choisies pour la protection et des huiles aussi que j'ai choisies pour la protection. Et le bocal d'amour, pareil. Des plantes et des huiles qui sont choisies pour l'amour. Alors le bocal d'amour, ce n'est pas pour enfermer quelqu'un dedans ou pour obtenir une personne. C'est pour créer de l'amour entre vous et vos enfants, avoir de l'amour pour vous aussi, créer un lien d'amour mais ne pas forcer les choses. La protection, c'est pareil, c'est pour protéger vos projets, votre maison, vos enfants. Ce sont des bocals dans lesquels vous mettez ce que vous souhaitez, mais ce ne sera pas fait de façon agressive, ce sera fait de façon positive et sereine. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent utiliser le bocal d'amour pour piéger quelqu'un, ce ne sera pas du tout ce type de bocal, je préviens. Donc à vous de voir si ça vous convient et si le rituel vous intéresse. Dans ce cas-là, choisissez le bocal qui vous convient. Vous avez aussi depuis peu l'encens Intense Purification qui fait à peu près 12 à 15 grammes. C'est un encens pour chasser les démons. C'est un encens qui est fort en odeur, donc ne vous attendez pas à avoir un encens qui sent super bon. Par exemple, l'un des composants de cet encens, c'est le soufre. C'est pour chasser les démons et les énergies et les entités néfaste de votre maison à brûler sur du charbon ardent. Et vous avez en dernier le sel noir exorcisé qui vous permet de pouvoir en mettre autour de votre maison si vous le pouvez ou sous le paillasson dans les quatre coins de votre maison pour bloquer et bloquer votre appartement, votre maison des entités négatives et créer une protection tout autour de votre appartement. Donc dans les quatre coins de votre appartement, d'accord, pas dans les quatre pièces, à part si vous le souhaitez. Vous mettez le sel dans une petite coupelle parce qu'il va fondre de toute façon. Et s'il ne fond pas, il va falloir le ramasser au moins à la fin du mois pour pouvoir le jeter. Tous ces produits sont des produits faits main. Le sel exorcisé, bien sûr, vous aide à chasser les démons, à purifier votre appartement et votre environnement des influences, des influences négatives et perverses. Donc. Excusez-moi. Donc tout ça est disponible sur le site internet. À vous de choisir ce qui vous convient, ce dont vous avez besoin et à vous de tester afin de voir comment vous voulez vous protéger. D'autres produits concernant l'amour, la paix, l'argent vont arriver, mais pour l'instant, il y a beaucoup plus de produits de protection. Donc à vous de faire votre choix. Vous avez aussi, pour ceux qui connaissent, enfin les connaisseurs, la bougie spéciale Papa Legba, faite avec des poudres et des lotions dédiées à Papa Legba. C'est pour les personnes qui souhaitent les mettre sur leur autel, les mettre dans leur rituel ou simplement en offrande. Il n'y en a pas beaucoup pour le moment, elles sont disponibles, je crois qu'il y en a 3 ou 5. À vous de voir si ça vous intéresse. Et bien sûr, pour les connaisseurs, vous savez très bien que ça peut être une offrande qui fera plaisir à Papa Legba. Voilà, et voilà.